величество примет генерала Кутузова через несколько минут. Кутузов. Кутузов. Toujours Кутузов. Chut, une fois pour toutes, rayons ce nom-là de nos conversations. Chut, il est là. Qu'il m'entende. C'est le dernier de mes soucis. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Après cette petite intro, petit extrait du film Austerlitz d'Abel Gance, où l'on voit le jeune prince Dolgorukov, aide de camp du tsar, remettre en doute les capacités du maréchal Kutuzov à diriger l'armée russe. Donc pour cette vidéo, je vous propose un tuto peinture consacré donc au maréchal Kutuzov, le héros de la campagne de Russie, côté russe évidemment, celui qui emmena l'armée russe à la victoire, malgré qu'il ait perdu à la bataille de la Moscova. Il n'en reste pas moins que sa poursuite, d'abord sa retraite, puis sa poursuite de l'armée française, amena la Russie à gagner cette campagne. Ce qui n'était pas joué d'avance quand même. Nommé général en chef des armées russes par le tsar Alexandre Ier à contre-cœur, puisque ce dernier n'appréciait pas trop Kutuzov, un homme qui aimait la bonne chair et la jante féminine. Il n'en reste pas moins que Kutuzov a su animer l'esprit patriotique des Russes pour livrer cette première guerre patriotique, on va dire. Allez, maintenant on passe au tuto peinture. La figurine a été donc sous-couchée en blanc. On commence par un contraste basilicalum grey. Donc on fait le manteau. Ensuite, un Dark Angel Green pour l'officier qui va accompagner, le général qui va accompagner la figurine Kutuzov sur le socle. Ensuite, un Snagback Laser pour faire la fourrure du manteau de Kutuzov, plus les cheveux du général. La figurine du général. Ensuite, un Mephistone Red pour faire le rouge du béret de Kutuzov. Et le col, les manches et les revers de la veste du général. Ensuite, un Black Templar pour donc faire les bottes de Kutuzov. Les bottes du général et les bicornes du général. Là, on passe à Retributor Armor pour faire donc fourreau d'épée et toutes les galons, épaulettes, même les étriers et les éperons de la figurine. Même chose sur Kutuzov, en plus des boutons. Et ensuite le Dark Code Flèche pour le visage des deux figurines. J'ai décidé de représenter mes figurines gantées de blanc, donc je ne passe pas de Dark Code Flèche sur leurs mains. Un shade de Null Hall pour faire pour passer sur toutes les parties dorées et sur les cheveux de Kutuzov. Pour les parties blanches, un Apothecary White. Donc ouais, sur le béret et sur les gants de Kutuzov. Sur le plumet, le pantalon et les gants du général. Alors je passe un Evilson Scarlet sur les parties rouges des deux figurines. Donc là, le béret.
il a sur le col revers de manche et revers de veste. Ensuite, on va passer au traitement des chevaux avec un Gore Kruntafour. Donc là, je passe intégralement sur toute la robe du cheval et là seulement sur la queue et la crinière. Je prends un agarose d'une pour faire la robe du deuxième cheval. Voilà. Un Black Templar pour tout ce qui est couverture de selle et tout le rendement, plus les sabots. Un Willwood pour faire la selle des deux chevaux. Un rétributeur à armure pour donc les ronds de fonte plus quelques petites pointes sur l'harnachement du cheval, pardon. Alors ensuite un céramite white que je vais appliquer sur le bas des pattes, sur la tête, afin de donner un peu de diversité pour les chevaux. Voilà, donc on finit avec un Newell Wall et un Apothecary White. Donc Apothecary White pour les parties blanches du cheval et le Newell Wall pour les parties dorées. Voilà, fin de ce tuto peinture consacré au maréchal Kutuzov. Donc les deux figurines vont être soclées et bien vous les verrez dans un prochain revue de troupe où je vous les présenterai sur leur socle. Voilà. Donc fin de cette vidéo. Bon jeu, bonne peinture à tous, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.